Fuse a créé une prison ultra sécurisée pour pas que je m'échappe. Mais je me suis échappé en 10 minutes. À cause de deux erreurs. Premièrement, il m'a pas demandé de vider mon inventaire. Donc j'ai pu garder tous les items que j'avais sur moi. Ensuite, il m'a pas forcé à remettre mon point de spawn. C'est-à-dire que si je mourais, je sortais de la prison. Les deux premières minutes, j'ai simplement observé la prison. J'ai pu voir que dans les quatre coins, il y avait des spawners à Elder Guardian. Donc avec ma pioche en fer, ça prendrait 11h et 8 minutes pour casser un seul bloc d'obsidienne. J'ai dû trouver une autre solution. Au début, je me suis dit que j'allais simplement courir en boucle, perdre toute ma barre de faim jusqu'à en mourir. Problème, le serveur est en normal. Alors il fallait que je trouve un moyen de prendre des dégâts. Le bois vient d'un mode et je peux pas faire de bateau avec. Fuse m'a emmené ici en utilisant des téléporteurs. Alors si je réussis à comprendre comment marchent les téléporteurs, je pourrais peut-être revenir en arrière. Et c'est ça qui m'a aidé à trouver la solution. En me déconnectant toutes les 59 secondes, je peux éviter l'effet de mine fatigue que donnent les guardians. Je pourrais toujours pas miner les blocs d'obsidienne ni les trucs autour de moi. Par contre, les téléporteurs qui sont sous mes pieds, eux, je peux les miner. Je les ai ensuite reposés à l'extérieur et j'ai pu enfin sortir de la première couche. Nouveau problème, je peux plus interagir à travers les blocs comme je pouvais dans la première couche. Mais j'ai repensé à la technique du bateau. J'ai mis un téléporteur sous un bloc. Oh. Allez. Oui.